Eh les gars, je sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi quand je mate un film, ça me crispe de ouf quand les personnages laissent la lumière allumée ou laissent l'eau couler. Et depuis quelques mois, j'ai d'autres tocs par rapport aux films et aux séries, c'est que je ne supporte pas quand je vois les gens se transpirer dessus, se faire des câlins, se toucher, se parler comme ça, sans respecter les distances et tout. Je suis là, les gars, le Covid, les gars, le Covid! J'ai gardé mes petites névroses pour moi en me disant « je suis folle », mais bon, ça, je savais déjà. Puis, je suis tombée sur un article où la psychologue Lara Fernandez nous explique qu'en fait, c'est tout à fait normal. En gros, elle nous explique qu'on a été conditionné aux normes du Covid et qu'on a tendance à associer le manque d'hygiène à la maladie et donc à l'infection du Covid. Et du coup, on porte davantage notre attention sur les habitudes qui nous semblent peu hygiéniques, comme se faire la bise, se serrer la main ou se parler à une distance non réglementaire. Quand je pense qu'à la base, je trouvais les Asiatiques chelous parce qu'ils portaient toujours des masques, maintenant quand je vois un mec sans masque, c'est lui que je trouve chelou. Dis-toi qu'en moyenne, il faut 21 jours pour intégrer une nouvelle habitude. Bon, personnellement, je suis sceptique parce que j'ai essayé plusieurs fois d'intégrer de bonnes habitudes et même après 21 jours, ça prenait pas. J'avais essayé le Miracle Morning, c'est quand tu te lèves tous les jours à 6h du mat pour être productif, méditer sur ta vie. Que dalle. J'avais aussi essayé de courir tous les matins parce qu'on m'avait dit « tu sais, la course à pied, c'est comme une drogue au bout d'un moment ». J'attends toujours ce moment. Mais bon, si les psys disent qu'il faut 3 semaines pour prendre une habitude, qui suis-je pour dire le contraire? Et donc clairement, vu qu'on est dans le Covid depuis plus d'un an, à ce stade, c'est plus une habitude, c'est carrément devenu une norme. Et donc ce qui s'éloigne de la norme nous fait tiquer, même si t'as pas particulièrement peur du virus. Perso, je mets plus mon masque par peur d'être jugé par les autres que par réelle peur du virus. Puis à l'amende aussi. Maintenant, la question qu'on se pose tous, c'est est-ce que tous ces automatismes qu'on a intégrés pendant le Covid vont rester même après la pandémie? Est-ce qu'on va un jour revenir à la normale? Le psychologue David Le Breton pense qu'il y aura un bouleversement temporaire. Et que lorsqu'on aura retrouvé notre liberté, ce sera un petit peu comme une renaissance, comme un émerveillement. Un peu comme quand tu sors de prison. Eh ben franchement, quand j'étais en terrasse samedi dernier, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. T'as aussi le psychologue Denis Jeffrey qui pense que le manque de contact physique qu'on aura eu pendant plus d'un an va créer une sorte de phénomène de décompensation et qu'en gros, on va partir en couille. On va rechercher le contact à tout prix, à travers les fêtes, à travers les foules et bien sûr, à travers le sexe. Mais t'as aussi d'autres personnes qui pensent qu'au contraire, à force d'avoir passé tous ces mois à être isolés chez nous, on aura juste pris le pli et on sera une société beaucoup plus individualiste et beaucoup plus distante qu'on était auparavant. Bon, tu l'as compris, les psychologues et les anthropologues font leurs petites théories, mais en vrai, personne n'en sait rien et on verra bien. Par contre, j'aimerais savoir tes théories sur l'après-Covid, donc dis-le moi en commentaire et on se retrouve pour un prochain Easy. Hey, t'as kiffé cette vidéo? Commente, partage, mais surtout, abonne-toi à Tarmac.